Salut gang, comment ça va? J'espère que vous avez eu le temps de manger. En fait, j'ai dû devancer parce que j'ai une formation ce soir. Donc, on vous dit un beau bonjour, moi et Cassiope. Je vous laisse le temps d'arriver pour après ça faire tirer le tirage et commencer la page. J'espère que vous allez bien. Salut Nicole! Cassiope est toujours là pour vous accueillir. Je m'excuse d'avance. Salut Diane pour ma petite voix. J'ai travaillé quand même beaucoup en fin de semaine, puis j'ai recommencé aussi avec l'école aujourd'hui. Fait que je pense que j'ai une petite voix d'une petite fille fatiguée. Maman, salut! Je viens de prendre un café, mais j'ai pris un café moitié décaf parce que sinon, il faudrait que je ne vais pas dormir à soir. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. Donc, comme je disais, bonjour Karine, allô Lorraine. Comme je disais, ben j'ai une formation à 20h, donc c'est pour ça que j'ai dû devancer. Salut Brigitte, devancer le live parce que je voulais être avec vous et être à ma formation après. Fait que j'ai comme pas le choix. Salut Cynthia, salut Sandra, salut Émilie. Salut encore Cynthia. Je vous vois arriver puis je réponds. Je vais faire le tirage pour commencer, puis après ça, je vais pouvoir commencer à faire le reste. Bon, désolé, j'ai 22 000 messages. Regardez pas mon code. Puis je vais aller tourner la roulette. Oui, Cassiope était sur moi. Je viens de partager des photos. Si vous êtes abonné, là, elle est toujours après moi, la tenante. Fait que c'est ça. Vous étiez 19 à faire le tirage. Il y en a qui sont ici et qui ont oublié d'inscrire leur nom. Ben le prochain, ça sera peut-être ce soir. Oh, tu t'étires, Minette? En tout cas, bref, ça se peut qu'elle fasse avec moi. C'est parti. Vous êtes prêts? Un, prête. Deux, trois, go! Diane Bolduc, bravo, salut Gwen. Je te mets ça de côté, ma belle Diane, et ça va être encore un prix pour toi. Coudonc, t'es chanceuse dans mes prix. Alors, félicitations. Diane, tu te mérites une poudre embossée et deux trucs d'embellissement, des petites cartes d'animaux et des cadres très colorés. Je te mets ça de côté, ça me fait plaisir. Donc, celles qui ont vu... yes. Allô! Celles qui ont vu là mes kits... en fait, là aujourd'hui, on va faire un kit, une page avec le kit vieillot. J'ai un peu les embellissements, mais avant, je vais dire un peu ce qu'il me reste comme kit à vendre. Comme ça, des fois, vous me le demandez, je fais juste vous le dire. Puis c'est ça, je vais vous le... Dans le fond. Puis voilà. J'ai le kit Mixmedia, il m'en reste deux exemplaires à 40$ parce qu'il y avait beaucoup de produits. Oui, je travaille demain. En fait, je travaille tout le temps, mais pas demain soir. C'est ça. Le kit Mixmedia, il m'en reste deux. C'est juste que sont toutes pas les mêmes, mes affaires. Fait que c'est ça. Je n'ai pas un proche, je crois. Le kit vieillot, il m'en reste 4. C'est la page que je vais faire avec. Fait que vous allez voir ce qu'on peut faire ce soir. Le kit bleu, un des premiers à 20$. Le kit vieillot est à 25. Celui-là est à 20$. Kit bleu, il m'en reste un. Kit jaune, 20$ aussi. Il m'en reste un. Et un kit girly à 25$. Là, on le voit moins bien là, s'il est dans le sac. Il m'en reste un aussi. Donc, c'est ça pour ce qui est des kits. Et le kit Mixmedia, il m'en reste deux. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez en privé ou... Des fois, je peux le noter ici, là, mais des fois, je perds le fil. Ouais, travaillais-tu demain, mon ami? Travailles-tu? Oui, je travaille demain, mais dans la journée. Demain soir, c'est ça que je voulais vous demander. Peut-être que je vais vous faire un live, peut-être pas. À suivre. Ça dépend vous autres. Puis tu sais, je ferais peut-être un live pop page ce coup-ci parce que ça fait quand même deux pages de fil que je fais. Donc ça, c'est mes restants pour le kit.
Le kit avait été fait avec la collection Timeless Memory. Voilà. Mais là, ce que je veux faire, je veux comme faire une page, mais différente. Il me restait des embellissements. Je vais aller chercher quelque chose pour l'insérer. Souvent, je me fais des albums. Puis, c'est ça, en fait, je vais pouvoir faire des trous puis me faire un album. Mais je ferai pas une page 12-12 aujourd'hui. J'ai le goût de faire changement. C'est ça. Hey, m'entendez-vous pareil avec ma voix bizarre? J'espère que oui. J'espère que oui. Donc, je vais me... Celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais me couper un morceau là-dedans. Puis après ça, je vais me couper mon papier de fond. Je vais faire une page, mais différente. Je vais la faire 6 par 6. Puis comme faire un album. Ça vous... Ça, 6 par 12. Je fais pas une carte, non. Je vais m'en... Arrêtez de vouloir que je fasse des cartes. C'est sûr, je ferai pas 6 cartes. Ouais. Je pense pas que je vais un jour faire de cartes. Mais bon, vous avez le droit de rêver. En fait, je vais comme me faire un album. Il était déjà à 6. Puis, je vais faire le comme le dessus d'album ou l'intérieur. En tout cas, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais faire le dessus de l'album une autre fois. Puis ça va être une page couverture. Je vais voir. Ah, vous m'entendez bien? OK. Super. Donc, dans le kit, là, vous aviez plus de papier que moi, je pense. Moi, j'ai pris ce qui... Moi, je prends le temps à ce qui reste. Hein. Je suis quand même sympathique. Donc, c'est ça. Je vais faire une page, mais 6 par 12. Puis, ça donne bien parce que dans le kit, vous en avez des moitiés de page. Donc, celles qui vont acheter le kit, ben vous allez pouvoir le faire. C'est un kit qui est brun. Puis, plus vieux. Fait que là, j'essaie de réfléchir. Lequel que je prends? Est-ce que je prends celui-ci ou celui-ci? Droite ou gauche? Salut, Jaël! Droite, gauche. Je vote pour droite, je pense. Mais allez-y, la question est pour vous. Droite ou gauche? Salut, Audrey! Droite ici, gauche là. Droite ici, gauche là. Je pense que je suis même pas horizontale. Hein. J'aime bien ça. 6 par 12, j'avais déjà commencé ça. Gauche. Ouais, je suis à droite. Bon, 1. En haut, non. À droite, 2. À 2. À gauche, gauche 3, à 2. T'es en feu et pas vraiment. Gauche, c'est 4 à 3. Ça se peut, je perds le fil, les filles. Droite, 4. Droite, 5-4. Va mettre ma main sur ce qui... Bonjour, Gisèle. En passant. Bon, mais je pense que c'est droite qui gagne. Mais je vais prendre le boost qui a des écritures gauche. Ah, oh, ben là, attendez. Je vous laisse continuer d'écrire. Parce qu'à date, c'est égal. On va passer 10 heures sur cette ça. Non. Y a-t-il quelqu'un qui tranche? Prochaine qui me répond, c'est la personne qui tranche. Ben, elle vient pas chez nous trancher, mais elle tranche si je prends gauche ou droite. Allez! Ouais, les dernières fois, là, mes lives étaient du bon côté, mais là, ils sont croches encore parce que je vois que les notifications sont en bas. Fait que. Je suis désolée. Ça, c'est Facebook quand il bug ma vie. Gauche! Voilà! Gwen, t'as écrit deux fois, mais c'est pas grave. Je te connais, t'es une fille qui participe en masse! Donc voilà, je vais recouper en 6-12, puis ça va me faire comme mon album. Non, trop tard, Louise! C'est gauche qui a gagné. Voilà. Donc, je vais pouvoir m'en faire d'autres. Mais je vais vous montrer comment je fais comme un peu ma base d'album. Puis, je vais faire ça. Ça va être mon fond, mais je vais vous montrer un peu comme ça. Là, j'ai 4 morceaux. Moi, j'ai un trancheur pour faire des albums. Salut Nathalie! Salut Michel qui écoute mon live!
Là, j'en ai mis trop dans mes mains. Je vais en mettre juste deux. Je l'installe. Je vais en mettre juste un. Coudon. Je pense qu'il est barré. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah, il me semblait qu'il était barré. Alors, j'installe mon 3 heures. Voilà, ça me fait déjà mes trous. Là, je l'ai mis sur la barre, fait qu'ils sont pas tous... sont pas tous égales. Ça va me faire un trou dans le vide, mais c'est pas grave. Je vais en mettre juste dans le milieu, puis je vais être contente. Je vais me fier à la barre qui était là. Fait que ça va être mon frame d'album. Je vais en couper d'autres à un autre moment donné quand je vais avoir du temps. Je veux juste pas vous faire perdre votre temps. Bonjour, bonsoir, Joanne. Joanne, je t'ai pas écrit. J'ai vu que t'as écrit, mais... on dirait qu'avec ma journée à l'école, ça m'est sorti par l'idée. Fait que je t'oublie pas. Je t'envoie ça tout de suite après. Donc voilà. Fait que ce soir, moi, je veux qu'on fasse que je fasse une page avec ceci. Ceci et je vais me choisir une petite photo. Une petite photo. Peut-être que ça, c'est des trop grosses photos. Trop grosses photos. Vous autres, sinon. Oh! C'est de la neige. J'ai pas le goût qu'il neige. Tiens. Je file quétaine avec ma photo. Ça va être ça. Mais je vais y couper un petit bout. Sur le côté. Pas grave. C'est quoi la marque de ta troueuse? Arc. A-R-C. Oups. J'ai failli sacrer tout à terre. Je sais pas si tu le vois. ARC. En fait, j'avais pris ça chez Bureau en gros. Je ne sais pas s'il y en a encore. Ça fait quand même un petit bout. Quand même un petit bout. Voilà. Là, je voulais couper un petit peu ma photo parce qu'on voyait des bouts pas beaux. Mais le reste, c'est de l'arc. De la neige. Pas de neige. Ça, c'est un kit hein, que j'ai depuis un bout. Fait que, regardez comment c'est le fun. Miss qui coupe du papier, on en a plein déjà. Là, j'avais pas préparé de matériel non plus parce que j'y vais au gré du vent. Il vend-tu? Bon, puis comme tantôt, là, j'aimais bien... peut-être qu'il l'a là-dedans. Attendez. Pas besoin de prendre la grande feuille. Je vais prendre celui-là. Fait que dans le kit, là, il y avait de la cisaille, il y avait des tags, il y avait ça aussi qui est intéressant que je veux me sortir. Il y a du... j'ai vraiment une voix qui mue. Il y a du coton fromage. Il y avait une épingle aussi de Maya Road que je vais sûrement utiliser. Donc, je vais m'amuser avec ça. Mais là, je vais couper un peu celle-là pour me faire un petit montage. Comme je fais souvent. Tu sais, la dernière fois, je vous avais demandé pour participer au concours qu'est-ce que je fais souvent qui ressemble à moi. Ben effectivement, vous avez raison. Soit que je fais des gouttelettes ou que je coupe des petits bouts de papier. Fait que... fidèle à mon habitude, ben je vais vous couper du papier. Là, j'ai le goût de travailler en longueur quand même. Ça fait penser à un mini-album que je vais faire. Puis, dans le kit aussi, il y avait du washi tape. Ça, c'est un vieux washi tape de... je sais plus le nom de la compagnie. Je vais chercher la compagnie tout le long. Salut, Lorraine! En tout cas, ouais. Fait que c'était une compagnie intéressante que j'ai oublié le nom.
J'ai tassé ma tranche. Regardez comment je coupe croche, moi. Surtout là, je suis ultra fatiguée. J'ai envoyé des photos à mes amis à soir. J'ai vraiment les yeux d'engraisse de bine. Je pense que je vais dormir durant ma formation après. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Parce que mes petits yeux vont être fatigués. Je pense que c'est... Voyons, c'est où? Je pense que c'est ça. La compagnie, là, c'est Seven Gypsy. Mais ça, ça n'existe plus. C'est discontinué, ce papier-là. Ce wash tape-là. Donc, voilà. Aviez-vous des questions? Comment ça allait? Est-ce qu'il y en a qui ont recommencé à travailler aussi aujourd'hui? Bon, qu'est-ce que veut vous jaser? Elle fait sa petite tannante. Ça aussi, hein, c'est dans... Écoute, hein, je ne saurais pas que ce papier-là t'en met partout. Qui travaillait aujourd'hui? Celui-là aussi, je l'aime bien. Salut, Lucie! Bon. Ça, je vais m'amuser avec ça. Ça aussi, ça. Ouais, Seigneur, que je cherche tout partout. Je vais y aller avec un stencil. Je vais prendre un stencil de fleurs que j'aime bien. Je vais vous trouver ça. Ou de feuilles. Quand on dit improvisation, c'est pas tout proche, hein, pas propre. C'est propre, mes affaires. Mais c'est pas proche. En fait, j'ai décidé de prendre un kit page, les filles, que j'avais, le kit vieillot. Puis, j'ai décidé de me faire une page, mais en 6x12. C'est ça, mon affaire aujourd'hui. Mais là, j'ai regardé la pile de stencil, là. Faut que j'essaie de trouver quelque chose là-dedans. Fait que là, au gré du moment, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise souvent les stencils de Finaber. Fait que je me dis, mais lui, il est beau. Fais-tu longtemps que je l'ai pris, lui? Je pense que oui. Ou sinon, je vais y aller en longueur. Hein. Salut, Catherine! Donc, c'est ça, le début de ce que j'ai dit. Puis, c'est ça, j'ai fait tirer le tirage chez encore Diane Bolduc, qui a gagné. Fait que là, on est à veille de détester Diane parce qu'elle gagne tout le temps. Je l'aime bien lui aussi, mais je vais peut-être mixer ces deux-là. Bon, désolée là, de vous faire voyager dans ma pile de stencil. Si vous me demandez si je manque de stencil, ben non! C'est dur de garder les yeux ouverts, c'est ça. J'ai reçu mon fer aujourd'hui, donc j'ai fini de t'écouter. Ça se peut, ouais, effectivement. Ben écoute, je vais le mettre sur la page. Pas de trouble, Gwen. Touloum, Cassiopée, ce n'est pas pour toi. Donc, pâte à texturer et acrylique médium. Je vous trouve ça dans 2 secondes. Ah, voilà, je vais mixer de la couleur dedans. Des fois, hein, c'est quelque chose que vous aimeriez savoir comment je fais, mais je vais le faire. Je vais le faire avec ceci ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, non, j'ai pas assez de choix. Écoutez, hein, c'est... dans là, ma pièce, il manque de place, il manque d'affaires. Mais non. Je vais prendre Burn Sienna. Puis je vais me faire de la pâte à texturer colorée. Vous allez voir comment je fais ça. Puis je vais venir mettre, parce que c'est quand même du brun, hein. Je vais venir m'en mettre un peu. Pas trop. On va aller partir mon lavabo, mais je pense qu'il est fait. Oh, je suis efficace à soir, Kuda. Je peux bien dire que je suis fatiguée, je fais tout d'avance. Parce que je me dis, oh, mon, il faut que... Souvent, mais non, je sais, tu gagnes pas tout le temps, puis Diane, t'as le droit de gagner.
Fait que Burn Sienna, que j'ai choisi comme... c'est les liquides. J'en mets une goutte. Elle est un peu grosse, ma goutte. Mais bon. Donc là, je viens mélanger dans ma pâte à texturer. Vous savez quand c'est une pâte à texturer, mais la couleur devient un petit peu plus pâle. Parce que la teinte, elle est blanche. Mais c'est correct, c'était voulu. Je voulais pas que ça soit trop... Salut, Marthe! Mon chum est crampé en haut. Fait que soit qu'il parle tout seul ou soit qu'il y a un animal qui a fait des siennes. Bon, voilà. Fait que ça, c'est une façon de coloriser la pâte à texturer. Je vous rappelle que si ça avait été de la poudre ou quoi que ce soit, je vais y mettre un petit peu plus de couleur. Ça aurait devenu permanent parce que en étant dans la pâte à texturer, ben, ça devient permanent en séchant. Tandis que c'est juste avec de l'eau, non. Mais là, du liquide... comment elle appelle ça? Liquide acrylique, ben ça, c'est déjà permanent. De toute manière, quelle pâte tu utilises, là, présentement? C'est la texture... la pâte à texturer de Fabrica Décorée. Je l'aime bien. Elle est blanche. Elle fait penser à la 13 heures. Si vous êtes habitué. Excusez-moi, je vous vois, tutoie. Je connais pas toutes, mais c'est pas pour vous insulter. Au contraire. C'est juste que j'ai le tu-vous mêlé. Salut, Alexandra! Bon, Cassiopée était bien fine, là, mais... Oup, oup. Bon, je vais commencer avec comme la dentelle. On peut le faire avec la vraie dentelle, hein, si on n'a pas de stencil. Puis, je vais m'amuser. Puis là, comme je disais, je vais y aller en longueur. Donc, je ne vais pas en mettre partout non plus. Là. C'est pas ultra, ultra voyant mon affaire. Mais juste un peu pour venir y rajouter de la texture. Hey, je t'ai vu donner une tape. Non, j'ai aucunement donné de tape à personne. À qui j'aurais donné une tape? Pas à mon chat, certain. Moi, donner une tape? La seule personne que je bosse, mon chum. Fait que... Je sais pas où t'as vu ça, Marthe. Peut-être le geste quand je l'ai pris. Ça a eu l'air que j'ai donné une tape à mon chat. Et je donne pas de tape. À mon chat, certain. Bon, je vais mettre ça dans le... Dans le lavabo. Désolée si vous m'avez entendu. Ah, au chat, mais non, j'ai aucunement donné une tape. Ça doit être le geste directement en la prenant parce que je fais pas mal à mes animaux. Non! Fait que voilà, je vais faire sécher un petit peu. Salut, Dominique! Là, c'est ça, j'ai nettoyé un peu mon stencil parce que vu que c'est coloré, je voulais pas trop... Je suis pas patiente, hein, à soir, j'attends pas, puis c'est pas sec, pas grave. salut Laetitia! Bon, voilà, je me barre les mains. Bon, je vais sécher comme il faut, là. Comme ça, je vais arrêter de... De mettre les mains dedans. Après ça, on va utiliser la pâte à texturer blanche. Donc, comme je disais, je vais faire une page en longueur. Parce que c'est le mouvement. J'aurais pu l'utiliser de même. Faire un calepin, mais moi, je vais aimer mieux les faire de cette façon-là. Donc, je prends l'autre stencil.
C'est drôle, ça. C'est art du scrapbooking. Quand je commandais là, mais fait, quand j'étais d'été là, elle mettait mon nom. C'est tout un truc. Fait que là, à chaque fois que je fais des vidéos, on voit mon nom. J'ai peur que vous m'oubliez. Petite comique. Ça aussi, je vais l'enlever parce que je veux pas tâcher mon affaire. À cause que c'est du liquide acrylique, ben ça tâche quand même vite. Je sais que c'est du gaspillage, mais vous l'avez vu, j'ai pris une motte de pâte à texturer puis une motte de couleur. Fait que j'aime mieux le laver tout de suite, comme ça, ça se travaille mieux. Donc, comme je travaille en longueur, voyons. Un chat. Elle est en train de faire de la machine à coudre. Je vais venir travailler sur la, pas la longueur, mais ben la largeur. Longueur, largeur, largeur. Je vous le dis, hein, ça se peut, je cherche mes mots. À part le mot 2 mètres, que je pourrais vous dire. Ben, j'en ai parlé toute la journée. Sinon, voilà. Puis, une ici. Youp. Je vais aller porter ça au lavabo et je reviens. Salut Maryse! On va sécher un peu puis je vais utiliser les washi tape qu'il y a dans le kit. Allez voir dans le kit pour être sûr que j'oublie rien à mettre dedans. Ah, il y avait du chipboard, mais j'utiliserai pas un chipboard, je vous le laisse. Voilà. Sinon. Quelle autre question je pourrais vous poser pour aujourd'hui? Ouais, tantôt, c'est ça que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient un live demain? Si oui, de quoi vous aimeriez? J'aurais du temps, mais demain, je pense que je le ferai à 7h30. Moi, j'aime bien superposer, Joanne, deux stencils. Ça fait de la texture, puis j'aime ça. Ouais. Je vais trouver où je vais mettre ça. Donc. Je vais faire mon petit bout. Puis après ça, on va s'amuser à décorer. Oui, des lives. Oui, c'était supposé être à 7h30. Marie, je suis désolée. En fait, j'ai une formation à 8h. Donc, j'ai comme pas le choix de le devancer. Malheureusement, parce que je veux être à la formation et je veux faire le live. Et j'étais mélangée, j'avais oublié. Fait que c'est pour ça. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Vous allez me pardonner. OK, phew. Ouais. Donc, j'ai-tu mis du mauvais? Ben oui, toi. J'étais un peu mélangée. Quand on colle trop vite. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai changé. Puis, c'est ça. Faut juste que je repogne le beat de travailler tout le temps. Puis, de pas oublier ce que j'ai comme formation. J'en ai beaucoup.
en même temps. Donc, c'est pour ça que je m'en excuse fortement. Ça se dit-tu fortement? En tout cas, bref, je m'en excuse. Ça vous arrive-tu, vous autres, de coller vos photos puis vous rendre compte que vous en avez trop mis? Comme je suis en train de faire là. Parce que la page est toujours même pas grosse, hein? Fait que j'ai pas le choix de m'amuser. Salut, Louise! Donc... Ça va être là. Vu que c'est un album que je veux garder en... Comment... En longueur, puis pas trop en épaisseur, mais je veux essayer d'en couper le moins possible. J'en mets, mais pas trop. Pas tout, je reprendrai pas du tout. OK, phew! Bonjour Caroline! Ça arrive souvent qu'on recoupe. Salut Stéphanie! Ça fait longtemps, Stéphanie, que je t'ai vue, je t'ai croisée. Donc, celui-là, des fois, je coupe, là, mais je vais peut-être mettre un papier dedans. Fait que là, je vais le coller. Mon chum est game, puis je pense qu'il a oublié que je fais un live. Fait que je suis désolée pour ces petits bruits en haut. Ah, hein, c'est ça, avoir un chum, Tana! Bon, ce que je voulais faire tantôt, c'est m'amuser à faire la dimension en dessous. Je pense que ça ne sera pas nécessaire. Ah oui, c'est ici. Voilà. Des fois, je vais vite. Je vais-tu trop vite? C'est un morceau de jute. Où ça? En dessous. Ta page, vas-tu dans un album de la même taille? Oui, en fait, je l'ai fabriqué là, au départ, Joanne. Dans le fond, je me suis pris des cartons, puis je vais faire une couverture. Peut-être que je vais le faire un autre moment cette semaine. Ou tout ça. Diane, c'est un morceau de jute en dessous. En dessous de quoi? Non, c'est une page avec des stencils. Ça, c'est un petit tag que je veux mettre un papier, mettons, dedans ou une surprise ou quoi que ce soit. Là, c'est sûr que mon papier est pas assez grand, mais mettons, je vais faire semblant que c'est ça. Comme ça. Fait que là, c'est sûr que je vais rajouter du coton fromage, je pense. En dessous, vu qu'il y en a dans le kit. En dessous de ma photo, non, c'est ça, c'était des stencils. Excuse, hein, je suis en retardement. À retardement! Bon, petite cassiopée. Là, j'y vais avec mes mains. Bon, mon chum, il game, puis il est mort. Fred, est-ce que c'est possible que tu parles moins fort? Merci. Bon, vous allez, il m'énervait. Il vous énervait-tu? Bon, tiens. Fait que là, mon tapon, là, je le fais avant. J'espère que Cassiopée ne pilera pas dessus. Mais c'est ça, je viens aller jouer dans ma texture avant de coller ceci. Voilà, 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 voilà. Bon, ta page, oui. Voilà. Tout ça, fait que là, je peux y en mettre un peu, mais pas trop. Là, moi, je trouve que c'est la colle chaude. Vous pouvez prendre la colle, hein. Puis, moi, je me fais vraiment des motons ou des petites incisions, comme ça, de cette façon-là. Ça me fait de la... du volume ou de la texture. Mais là, j'ai coupé mon bout trop petit. Vous pourriez faire ça avec du fil aussi. Hein? Il y en a qui font des motons avec du fil. Ça vient texturer
le tout. Donc, je pense que les papiers, j'ai terminé. Ça, c'est voyons, une petite enveloppe avec une imitation de bois. Puis j'avais aussi du washi tape imitation de bois que je voulais ajouter. Je vais y en mettre un petit peu, mais pas trop. Pas trop. Salut, Pamélie! Salut, Julie! Pamélie, tu vas pouvoir apprendre à bricoler avec moi. Ah ah! Je savais pas. Je savais pas, hein? Pamélie est habituée de bricoler, mais avec des cosmétiques. Donc, elle est habituée de bricoler dans son visage, elle. Ce que moi, je fais pas parce que je suis pas Miss Maquillage. Mais c'est correct, je trouve ça beau. C'est que moi, j'ai jamais été capable de me maquiller dans mon visage. Je tolère pas versus ma petite hypersensibilité. Je suis pas sûre de ce que je fais là en ce moment. Donc, c'est ça. Femme multitâche. Oui. Tu savais pas encore, Pam? Mais je me maquille pas. Tiens, voilà. Un petit bout, puis je vais utiliser celui-là comme embellissement. Là, c'est sûr que je vais peut-être vite asseoir. Parce que c'est quand même une petite page. Mais... J'ai pas terminé. Mais c'est ça, je disais, tu bricoles des faces. Faudrait que tu bricoles la face de ton chum. Ben non, je fais des blagues. Je vais ajouter aussi un peu de ciseaux. Mais pas trop. Parce qu'on a déjà ça. Fait que je vais en rajouter un peu sur les coins pour venir rajouter d'autres textures. Hey boy, tu me vois pas à la face, Pamélie. Vous irez voir hein, ma face avec mon chat que j'ai posté tantôt. By the way, là, je suis un peu brûlée de la face. Rappelez-moi, là, le prochain coup que je veux faire un 13-16 ans en ligne à Joe, que c'est pas une bonne idée pour ma face après. Oui, c'est une petite page, mais belle, c'est ça. C'est fin, ça, c'est fin. Ouais, des fois, hein, dans la simplicité, ça va bien aussi. Donc, je mélange les deux. Des fois, j'aime moins le cisaille, moi, parce que ça me fait penser au coco de pâte. J'en mets, mais pas beaucoup. Des fois, j'ajoute des choses de métal. Mais là, j'ai pas mis mon titre encore. Il y avait aussi ça comme embellissement. Dans le kit, c'est celui-là. Ça se peut que je prenne un petit pour les besoins de la cause parce que c'est quand même une petite page. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Y en a-tu qui, comme moi, sont mal habiles en fin de semaine puis qui ont pogné un coup de soleil parce qu'ils sont allés dehors? Moi, j'en ai un, pas dans la face, mais dans le cou. Fouille-moi pourquoi. Donc, qui là, dans tous ceux qui sont en train de m'écouter, ont pogné un coup de soleil déjà? Je suis curieuse. Curieuse. Répondez-moi ça, là. Pendant que je défais ma petite corde. Ça serait mon rêve, hein, d'avoir des lions. Oui, Pamélie, malgré ta crème, ouais, mais t'es allée, c'est pleine, me semble, Pamélie. Ça tape plus le soleil. Salut Lise, salut Sarah. Moi, j'ai mis de la crème solaire. Moi, j'ai oublié parce que... En fait, c'est durant mon 16 heures. Je pense que j'ai tout oublié. Mon cerveau plus ma crème. J'aurais pu en voler aux filles, au foyer, mais bon, c'est pas grave. Fait que là, ben, j'ai attrapé un petit coup de soleil. Mon chat voulait monter. Dans le cou. Tu m'as mis... Non, je n'ai pas mis, j'ai oublié, parce que je me suis levée à 5 h du matin.
Ouais, je me suis levée à 5 heures du matin puis j'ai carrément oublié. Carrément oublié. Ça se peut que je le mette pas parce que je trouve qu'on va perdre. Ah, peut-être là. Bon, Cassiopée vous dit bonjour. Elle est pas tannante, chose. Tu t'en viens bien avec chien et beaucoup de chats. Ouais. J'abuse un peu. J'abuse. J'ai assez hâte là, que le COVID soit fini et que mes autres chats arrivent. Mettons, là. Mais là, ils ont des noms vraiment compliqués versus ceux que j'ai déjà. Fait que, en tout cas, je vais voir comment j'arrive à gérer les noms russes. Tu t'en viens bien avec chien, chat. Ouais, c'est ce Cassiopée. Qu'est-ce que tu fais, Cassiopée? Tu veux jouer avec nous? Ouais, mais j'ai pas de lion. Je veux un lion. Ou qu'on. Faudrait que je rachète le Zoo Miller. Ça serait une bonne idée, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Racheter le Zoo Miller. Là, je mets une petite épingle. Mais je pense qu'il faudrait que je la mette de même. Et je suis pas sûre que ça ferait beau. C'est comme ça. Non plus. Ça se peut que je mette pas ça parce que c'est pas beau. Salut Joanne! Ouais. Fait que tiens, vous la mettrez dans votre kit, mais moi je ne mets pas là-dedans. Au moins, vous, entendez-vous Cassiopée boire? En tout cas, faire un live avec un chat, c'est un peu tannant parce qu'elle est tout le temps là. Dérangeante avec nous. Je vais y trouver un titre, mais avant, on va y mettre un petit peu de couleur. Je vais essayer de tasser mon chat pour pas qu'elle soit colorée. Je vais utiliser les petites gouttelettes là que j'ai mis dans la pâte à texturer, mais je vais les utiliser normal. Diluer avec de l'eau. Je vais juste tasser le chat. Là, c'est un petit brun, facile à travailler. Le brun, Julie, je sais pas si t'es là, j'ai pas remarqué. Oui, mais moi, ça me dérange pas d'acheter un zoo pour avoir un lion. Je suis prête. N'importe qui. Donc, tu sais, on voit là que versus qui est dilué, ben c'est plus brun, hein? Mais bon, c'est beau, brun. Ben en fait, avec le kit vidéo, le brun, c'est beau. Mais c'est pas tout le temps. Hein? Voyons. Là, vous allez dire que j'ai brisé mon chat, mais elle a juste fait un saut. À qui qu'on va jamais à Cassiopée? Un peu. Mais j'ai mis une photo, vous irez voir. Parce qu'elle est tout le temps. Elle est tout le temps à l'envers, puis c'est une petite tannante, fait que quand je la mets sur le dos, tiens, voyez-vous la face de Guidoune? C'est correct? Oui! Grosse ronronne. L'avez-vous vu assez? Bon, je vais sécher ça, puis je vais rajouter d'autres couleurs. Peut-être un peu de jaune, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais avant d'avoir des lions, là, j'essaierai d'arranger chez moi pour avoir des... Voyons, c'est quoi la race de chat? Je perds vraiment mes mots, hein? C'est pas un savannah, mais les autres, là, qu'on peut pas avoir au Québec, c'est... C'est quoi, là? C'est quoi donc? Et je cherche vraiment mon mot. En tout cas, si vous le trouvez, vous me le direz. Là, c'est pas un savannah, mais l'autre là, qu'on n'a pas le droit. Un serval! Wouhou! Je l'ai trouvé. Donc, avant d'avoir des lions, je pense que j'aurai un serval. Mais on n'a pas le droit d'avoir de serval au Québec. Faudrait que je déménage. À moins que je déménage. Ça pourrait être un bon projet. Puis, à ce moment-là, j'aurai mon zoo, mon serval dans ma maison. Puis,
Je vais essayer de trouver un petit titre intéressant à faire dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Corniche ref, non. Ma Cassiopée, c'est une bengale. C'est une bengale. Voilà, instant précieux, ça fit ici comme titre. Puis, je vais y ajouter quelques petites affaires. Je vais bien trop vite aujourd'hui. Vous trouvez-vous? Il est quelle heure? What time is it? Ça se peut que je sois rapide parce que, vu que je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être lente. Fait que j'ai peut-être été plus vite que d'habitude. On va ajouter des affaires. On va ajouter du gesso. Qu'est-ce que vous en pensez? Je danse en plus, en même temps. C'est bon, hein? Du gesso. Est-ce que j'ai ça quelque part? Oh, non. Je vais ajouter de la pâte à texturer. It's summertime. Ouais. Ah oui! Hey, pour vrai, là! Toi puis Étienne, là, Pamélie, vous me sortez tout le temps des affaires que j'ai écoutées, genre après une conversation, on me dit bisous, Gossip Girl. Qui a écouté ça? Parce que moi, je suis accro à Gossip Girl en ce moment. Donc, je vais utiliser de la pâte à texturer, mais avec du sable blanc. Pour venir faire de la texture, j'en ai fait un peu dans ma page girly. Je dirais qu'à la spatule, et j'aime vraiment ça. D'en rajouter pour mettre, voyons, de la texture. Puis là, mais celle-là, c'est avec du... C'est comme si j'avais mis du sable blanc. Mais je peux aller le cueillir. Merci, gang! Oh, je te dis, c'est Pamélie. Pam, pendant que tu me réponds, on a-tu un after? Pendant que t'es là, vu que j'ai posé la question tantôt. À soir. Ouais, donc le sable blanc va venir faire un autre éclat parce qu'il y a quand même beaucoup de brun que j'ai mis. Comme je disais, je veux y aller en largeur. Yes! Youpi! Bon, c'est bon. Gang, elle vous a dit, qu'est-ce qu'elle dit, Cindy? Elle parle à Pamélie, puis elle est toute mêlée à soi. Donc, c'est ça. Je travaille en longueur ici pour aller me beurrer ça un peu. T'es épaisse, là, Cassiopée. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux tout le temps bricoler? Elle veut vraiment tout le temps être avec vous, hein? Moi, tu vois mes lives, là, Pamélie, là. Oh, tu le vois pas si j'étais en pyjama, pas de brassière. Tu me vois pas en face. C'est ça, le truc. Bon. Bref, c'est drôle, les filles, que Pamélie dit ça, parce que la dernière fois, on avait un live, puis Pamélie, elle avait en dernier, en arrière, là, dans le fond, il y avait sa brassière. Fait que là, elle comprenait pas, elle pensait qu'on lui parlait de sa brassière qu'elle avait sur le moment. Sur le moment. Ben, non. Tu vois, là, si j'avais gardé un peu de pâte à texturer brune, j'en aurais remis. Mais je voulais que mettre du jaune. Fait que je vais aller voir. Ah, oh, peut-être du or. Peut-être du or. Qui sait? Ouais. Qui sait? Vous savez pas? Qui sait qu'est-ce qu'elle va nous sortir durant ce live? Je vais utiliser le spray Bayou Buggy Gold. En anglais, c'est vraiment bon. On dirait un 3 dimensions. Pourtant, là, elle est pas si épaisse. Hein? Je me suis juste amusée à faire de la texture. Je pourrais faire tirer à la fin de mes lives un chat. Ça serait une bonne idée. Oui, Cassiopée est toujours là. Toujours là. Mais pourtant, elle ne monte pas encore en haut. Elle a peur de mon chien. C'est triste. C'est triste. Bon, c'est séché un petit peu. Oui, ouais, tout le monde voudrait les chats. Ben non.
Non, 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 non. Ils sont à vendre, mes chats, mais pas ceux-là, là. Bientôt. Bientôt les autres, parce que là, j'ai hâte de voir dans quelques semaines. Madame Moon va accoucher. Ça sera magnifique. Bon, j'en pitch partout. Je pense qu'un coup parti, je peux pas zoomer. Ah oui, je peux zoomer. Tiens, c'est correct de même? C'est assez zoomé, gang? Ça me fait plaisir. Salut, Marjolaine! Là, c'est ça qui est caché, mais... Fait que là, je m'amuse vraiment à mettre du or. Puis, je vais sécher puis je vais ajouter un petit peu de jaune. Ouais, c'est correct de même. Merci pour vos cœurs. Ça me fait dire que je suis correcte. Ouais, je vais mettre un petit peu de jaune. Ouais. J'essaie de voir si j'en ai pas une autre sorte de jaune parce que lui, il est très jaune. Il fit pas. Peut-être lui. C'est vrai qu'elle était plus petite, ma page, puis je suis habituée de faire des grandes pages. Fait que là, j'ai pas pensé vous zoomer ça. Je sèche un peu, j'ajoute une autre couleur. Elle lui ressemble un peu. Je vais être obligée d'aller me chercher du jaune. C'est un petit peu plus or, mais... On va rajouter un petit peu de jaune, ça va être parfait. Parfait, parfait, parfait. Non, j'ai fait une 6 par 12. J'avais le goût de faire changement, puis de me faire un album. Pour vrai, là, en zoomant, vous voyez plus qu'elle se paie. C'est bon, ça? Hein? Elle m'accompagne, mais de côté, elle est juste là. Je pense qu'elle aime les lumières. Parce qu'il y a des lumières pour que ça soit plus clair. Fait que là, elle va là, puis elle se réchauffe. Donc, un petit peu de jaune. Puis, je pense que le tour va... C'est pas le même jaune, mais ça ressemble. C'est comme trois teintes d'or. Oui. Fait que ça fait un petit mix le fun. Salut Yasmine! Là, je vais enlever un petit peu. Je vais sécher le tout. On va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien ça. Vous autres, ça fait-tu du sens? Cassiopée a fait dire qu'elle aime bien ça. C'est pas trop jaune. J'ai ressorti du dehors. Fait que comme ça, ça vient jouer avec les mêmes teintes. Puis, ça a pas trop gondolé. Fait que ma page, elle va être belle. Elle va rentrer dans l'album. Je vais pouvoir en faire d'autres. Je pourrais même en faire une de l'autre bord. Malgré que ça a comme taché un peu. Mais si j'avais mis du... merci les filles. Si j'avais mis du gesso transparent, ça aurait été moins pire. Mais moi, j'aime pas ça. Ça me dérange pas. M'entendez-vous danser? Fait que voilà pour la page ce soir. C'est une petite page rapide. Comme je disais, j'ai une formation après. Donc... je voulais pas vous oublier parce que j'avais dit que j'avais un live, mais je l'ai fait un petit peu plus rapidement. Par contre, je pense que je vais vous en faire une demain, une autre. Voilà pour la texture. Puis, regardez, elle est pas si épaisse, là.
Tu sais, je suis habituée de faire du plus épais. C'est ça. Puis demain, là, je ferai un petit live aussi. Je ne sais pas encore de quoi. Est-ce que je continue une autre page de mon mini-album? Est-ce que je fais une création mix média parce que j'ai fait tous les kits que j'avais? Est-ce que je vais voir? Je vais décider. Ça va dépendre de ma journée aussi. Mais je vous réserve une petite surprise. Voilà, puis je vais vous montrer le prix pour que je vais faire tirer demain. Que peut-être Diane va gagner encore. Non, mais on ne sait jamais. Hein. Elle a de l'air à gagner. Le prix est Cassiopée! C'est-tu toi, le prix? Non, ouais, c'est pas toi. C'est pas elle du tout. Donc, le prix sera des die-cuts de ID Swap. Des petits dossiers de Seven Gypsies. Et un spray de Lindy. C'est Freaky Franken Lim. Voici le prix. Je vais prendre des photos. Je vais vous mettre ça là, avec mes questions comme toujours. Puis la vidéo, je vais l'éditer. Si c'est pas ce soir, ça va être demain, mais ça va apparaître sur ma page. Je vais essayer d'y aller rapidement pour que vous puissiez réécouter le live, soit sur ma chaîne YouTube ou ici sur la page. Je suis désolée d'être plus rapide aujourd'hui. Mon moment, c'était un petit live. C'est pour être avec vous malgré le fait que je recommence à travailler. Fait que je vous remercie beaucoup. Bye bye, là, puis à demain!